Oui, Daniel, je t'ai entendu, les 73. Oui. Bonjour, ça y est, je t'écoute. Voilà, d'ailleurs, j'étais un Ah si, attends, là tu dois être encore là par chez toi parce que là c'est coton là pour te sortir. Au moment où tu passes, c'est bon, ça passe très bien. Je t'entends bien, mais bon là c'est pas le top. Je m'en vais là dans la rue là où je me mets là pour mieux t'entendre. Ok. 275, ok, c'est parti. Ok, rendu. Oui, je suis dans mon poulet, voilà, ça va aller bien, comme ça, oui. On va bien s'entendre. Ah, tu m'étonnes. En plus, là, je suis en train de tester là, un haut-parleur là, qu'on m'a filé, hein. Putain, oui, je t'entends mieux qu'avant. Hein. Oui, j'ai vu là, le haut-parleur que t'as mis là, ça avec un télé, c'est ça? Oui, c'est celui-là, là que j'ai eu là chez CRT. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure là. J'étais en train de regarder la petite vidéo, puis j'ai vu l'heure, oups, j'ai dit allez hop, il est temps que tu t'y ailles, Daniel. Voilà, donc oui, je l'ai vu là, le haut-parleur là avec les LED. Hein. Alors par contre là, ouais, justement, là je suis en plein test. Autant dire que toi, le ce haut-parleur, bon, en général. Attends, j'ai la... Voilà, là, je suis en train de faire une petite vidéo, là, en même temps. Voilà, j'ai la deuxième caméra qui est en train de vibrer contre le pare-brise. Hachi. Voilà, si en principe, en général, le haut-parleur de Sibi, il faut quoi? Il faut 5 watts. Celui-ci peut aller jusqu'à 15 watts. Alors, autrement dit, ben, les LED qu'il y a dedans, ben, forcément, elles sont faites pour supporter 15 watts. Et du coup, elles sont trop fortes pour que là, sur un volume normal... Là, elle s'allume. Ok, oui, non mais... ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre, là, qu'elles étaient assez puissantes, là. J'ai pu voir ça, là. Enfin, bon, on les voit mal, là, sur la vidéo. Mais bon, c'est vrai que quand il fait nuit, ça doit être clochant. Alors, ouais, 5 watts, hein, c'est des 15 watts. 5 watts, des LED de 5 watts, je sais pas, elle risquerait peut-être d'être allumée en permanence. Peut-être des 10 watts, je sais pas, à tester. Oui, après, bon, tu. Mais remarque, tu vas voir chez Conrad, hein. Sur Conrad, là, tu risques de trouver ce que tu veux. Pourquoi je vais me faire chier à aller sur internet alors qu'il y a des magasins alors qu'il y a un magasin d'électronique pas loin de chez moi là, à Libourne, Tandelec. Non, je vais pas m'emmerder à commander sur internet si je peux l'avoir directement au magasin. Et oui, c'est vrai que tu es juste à côté de chez de Tandelec. Oui, non, mais tout à fait, Benny. Voilà, alors attends, vas-y, parle. Voilà, parce que là, bon, il y a eu des passages aussi pour moi, là, c'était un petit peu à vide. Alors, j'espère que ça va être mieux pour toi, là, j'arrive le long de la poudrerie, là, hein. Ok, pour que ça s'allume vraiment, il faut que je pousse le volume à 30. Et à partir d'un volume de 22, donc déjà, ça me casse déjà les oreilles, bon, ça va, ça arrive à s'allumer. D'accord, ok, bah écoute, ça n'a pas l'air mal. Ben moi, attends, hop, je vais monter un peu, là, parce que je chauffe un peu le pare-brise, là, puisque maintenant qu'elle a chauffé un peu la voiture, là, ça va aller mieux. Voilà, ok, bah oui, non, mais bon, voilà. Oui, mais écoute, ça y est, là, donc t'as vu, la demande a été faite, là, et donc...
je vais acheter son prénom, m'a répondu et bah, apparemment, tu vois, j'ai des problèmes avec ma boîte mail d'e-box. Hein. Voilà, mais bon, je reçois pas sur le portable, parce qu'apparemment, je reçois sur le PC, mais je reçois pas sur le portable. Alors, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, bon, enfin, ça fait rien. Voilà, donc maintenant, ben, mon nouvel indicatif, bon, ça restera sans toi, bien sûr, et ben, je serai dans le groupe Kilomag. Ok, putain, j'ai fait un petit essai en poussant à 36. Alors, je peux te dire que ça m'a percé d'abord un premier tympan qui a subi sur le deuxième. Ah, chier trois coups. 100 tours, c'est pas un indicatif, c'est un QRZ. Ah, chier. 14 km 06, là, oui, d'accord, c'est un indicatif. Oui, non, mais tout à fait. Mais de toute façon, il va faire partie de... t-shirt que tu m'as remis, voilà. Comme tu sais, la partie derrière, il y a une partie blanche. Donc, je vais le mettre la photo là, sur une clé USB et avant ma reine, là, et puis j'irai me le faire imprimer là sur, je crois que c'est Carrefour que j'avais vu ça, Carrefour Mérignac, là, et, ils font ça des imprimés là. Donc, avec la clé USB, je le ramènerai, puis voir s'ils peuvent me l'imprimer derrière sur la partie blanche de sur l'arrière du t-shirt. Ouais, ok. Ouais, ce qui serait, si c'est un imprimé comme ça a été fait devant, là oui, ça tiendra. Par contre, si c'est un imprimé comme tu sais ce que tu avais fait là avec l'espèce de papier spécial, ça par contre c'est pas bon du tout. Comme t'as pu le voir, c'est t'as même pas besoin de le passer dans un premier lavage pour que ça commence à se barrer, quoi. Oui, non, mais là je vais l'amener sur une presse. Voilà, donc, non, c'est Carrefour, sur Carrefour, là, il y avait un stand qui fait ça, oui, il me semble bien, c'est un Carrefour, et ils font des imprimés comme ça, donc, non, je vais aller directement sur un Carrefour, là-bas, me le faire imprimer sur la machine. Ok, pour le plaisir, je me refoute encore un coup plein les oreilles. Tu vas prendre une overdose là. Putain, tu m'étonnes. Ah, c'est là, ouais. Je crois que ouais, il va falloir que j'aille voir à Tandelec un petit peu. Surtout que c'est les LED, ça n'a pas coûté bien cher. Bon, d'après ce que j'ai vu, il y en a 5 dedans. Donc, je sais pas. Je vais peut-être prendre une série de peut-être en 5 watts et une deuxième et une autre série en 10 watts. Hein. Je sais pas. Ou alors 10, 9, 8, ainsi de suite. Enfin, avec un watt d'écart, peut-être aussi, à voir. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est le système thromboscopique que tu as. Les LED réagissent avec le... Attends, QRX. Voilà. Les LED réagissent au son, alors. Il doit y avoir... qui doit déclencher les LED à l'intérieur. Ah ben, de toute façon, moi je me souviens, moi dans les années 80, par là, je m'étais amusé à faire la même chose. J'avais branché des LED sur un haut-parleur que j'avais branché ça en parallèle. Voilà, tout simplement, hein, en parallèle dessus, et puis voilà, quoi. Ok, d'accord, bon, mais écoute... C'est peut-être ce qu'il me faudrait, bon, un petit truc comme ça derrière là, pour essayer d'améliorer un peu la réception. Mais bon, ça je pense pas trop mal. Avec cette petite AMS-140. Bon, mais de toute façon, le poste me suit là-bas. Le poste va me suivre, mais je mets que la petite, je prends que la AMS-140. Je vais pas prendre la zone de c'est déjà tout pas avec. Ok, voilà, je viens de me recaler un peu en fréquence. Évidemment, pour toi, l'affaire que tu me reclarifies un petit peu à nouveau. Ah, chier trois coups. Ouais, tu t'en vas du côté de Tours.
J'ai pas eu grand monde là de ce côté-là en fréquence pour dire pour un, en BLU, ouais, tu trouveras du monde. Oui, parce que si on regarde sur mes vidéos, quand je suis dans les environs, j'ai attrapé quand même du monde en BLU. Ok, d'accord, ben écoute, je verrai bien. Bon, si j'ai le temps de faire la radio, parce que la dernière, c'est quand je suis allé en vacances, j'ai pas allumé le poste du tout. Hein. Voilà, j'ai pas allumé le poste du tout, donc bon, après, lui me suit, hein, voilà, il est dans la voiture, il va suivre. Après, ben écoute, je l'ai vu, ce jour sur les vacances, là-bas, avec, ok, je croyais que tu allais me dire que si pour une fois je t'entends parler correct, c'est que parce que justement tu en auras un peu abusé. Quoi. Ouais, j'ai croyé que sur le coup, j'ai cru que tu allais dire que si je t'entendrais parler correct, c'est que justement tu en aurais un peu abusé. Ah oui, tout à fait, Ah, je suis trois coups. Voilà, bon, mais ouais, donc, comme ça que comprendre, d'ailleurs, j'étais faire changer les plaquettes de frein là. Et en même temps les disques avant là parce qu'il y en avait vraiment besoin. Hein. Parce que depuis le temps que j'avais rien fait à cette voiture en fait. Et le pire c'est que j'ai même pas de témoin d'usure là de plaquettes de frein. Alors quand je suis arrivé hier, il faut les remonter, ah oui, j'ai dit effectivement. Ouais, mais bon, disons que côté mécano, on a ce qu'il faut juste à côté de chez nous, quoi. C'est vrai que ça nous coûte un petit peu plus cher, mais bon, c'est juste à côté, quoi. Ce que là, la Suède dont tu me parles, là-dessus, ben, vu où j'habite, il faut rajouter le coût du déplacement, ceci, cela et tout. Et au bout du compte, hein, ça doit se valoir quoi, en fin de compte. Oui, oui, non, mais tout à fait, non, mais je t'en parle comme ça, si jamais tu avais le même principe que ça chez moi, que chez toi. Voilà, donc. Ah oui, d'accord. Voilà, Rémi, bon, mais voilà, tu vois, donc je suis ramené devant la porte, hein, c'est quoi ce bordel, là, et ils sont en train de discuter, là, et ils branlent, là. Obligé de les réveiller. Voilà, donc bon, et là, mais au retour, j'aurai la distribution, là, il va me faire la distribution. Voilà, donc, voilà, donc, bon, je vois, mais toi, la voiture, là, elle est,
tout à l'heure, moi je sais que je m'en vais avec une voiture tranquille, Arsène, et au niveau de, des freinages et tout ce qui est sorti. Hein. Voilà, parce que j'aimerais me changer les pneus avant, comme ça au moins je suis tranquille pour un certain temps. Ok, d'accord. Tiens, je reviens à l'indicatif kilomètre. Et bien pour le coup, à Marennes, ça sera encore plus facile. Puisque de toute façon, avec le RCI, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien au contraire. Et ça sera que mieux, quoi. Voilà, tout à fait, Rémi. Bon, mais écoute, je vais te laisser là parce que je ne te dis pas la montée de QRM, mais là, il y a. Avec tous les systèmes électriques et tout ça, là, dans les scènes, là, c'est vraiment. Je trouve ça là, très QRP. Là, c'est avec en plus la pluie, là, je ne te dis pas. Bon, mais, bon, écoute, je te dis ben, à très bientôt. Travaille, repose-toi bien, là, et puis ben, moi, je reprends tout le. Que c'est fin mai, là, maintenant, là, à partir du 18 mai, là, je reprends le travail. Hein. Allez, bonnes vacances, travaillez bien, moi je vais partir en vacances tout à l'heure. Et puis, ben, écoute, je te dis à très bientôt, et puis salut les copains. Ok, d'accord, ben, ce soir, de toute façon, je suis sur un autre site en 23h08. Alors déjà, comme ça, même si tu aurais bossé, ça aurait été baisé pour demain matin. Ok, Daniel, les bonnes soirées 13 à toi, bonnes vacances, profites-en bien. Et surtout, réponds pas au téléphone. Ah, chi. Je te glisse cette petite anecdote par rapport à un truc qui s'est passé en ce qui me concerne pendant les vacances. Ah, chi, bon, tu as compris de quoi je veux parler, je n'en dirai pas plus. Allez, bye bye. Ok, bye bye, merci. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention Nico pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention la belette au Nico pour Dandy 33 qui vous appelle. Ah,
Attention, Barracuda 56 pour Dandy 33 qui t'appelle. Station est sans fréquence pour Dandy 33 qui l'on s'appelle. Oh, j'ai entendu quelqu'un très très cuirpillé. Il me semble avoir reconnu la Belette. Les bains sont très à toi la Belette. Je suis sur un National 89, pratiquement rendu à la poste. Ok. Là, ça faisait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Ok, d'accord. Bon, bref, t'es en train de me dire que t'étais en vacances, quoi. Hachi! Eh bien, tiens, toi, moi, je reviens de vacances. J'étais me balader du côté de l'Allemagne, après, du côté de la Belgique. Et puis je me suis dit, bon, il fallait peut-être quand même penser à rentrer. Et me revoilà, et ben, à nouveau au pro. Je sais pas si tu es encore en train de parler, mais là je suis dans le trou de la poste. J'ai failli dire une grossièreté. Mais là dans le trou, là il n'y a plus rien qui passe. Je suis en train de remonter à la surface. Ouais, je disais donc, là, j'étais dans le trou de la poste et là, pour le coup, il n'y a plus rien qui passait, là.
Bon, bah, sur la colline non plus. Si toi, par contre, tu m'entends encore, les bus sont 13:51 à toi, et bonne journée, à la prochaine! Caribou était chez nous. Quand j'ai tourné pour me garer, t'as Sergio et Caribou, ils allaient à 2B. C'est plus loin. Et j'arrive, je me gare, je vais pour me mettre sur lit, que je vois une voiture arriver. Comme il était un peu plus tôt que ça. Enculé, il me dit voilà, ben, je vois ton boss, je le signe. Ben, j'ai pas demandé mes restes. Hein. Mais bon, vraiment, quand t'es arrivé, quand il a ouvert le portail que j'ai avancé, j'avais que 5 minutes de coupure de fait, c'est tout. J'ai arrivé 2 minutes avant toi, pas plus, hein. Ah ben, regarde, moi je voulais couper une quart d'heure aussi, mais on pas plus, c'est tout. Gérer mon essieu, c'est des surleveurs quoi, je peux le monter et le descendre comme je veux quoi.
moi, sur la mienne. Je sais qu'il y a des bennes, ça ne le fait pas quoi, le truc, l'option n'a pas été branchée. Il y a la benne à Brice Leposé, la grande. Et qui sait qu'il y a des bennes là, que ça ne le fait pas du tout. Non, je vais essayer de voir. La mienne, tu dis à le Grand Parc, je suppose que toi c'est pareil, tu donnes trois coups de frein, c'est bon. Voilà, c'est ça, je mets trois coups de frein, puis j'étais des yeux. Quand t'es en charge, il monte là. Et je veux dire, des fois, ça aide bien quoi. Ça, je peux te le dire. Je m'en servais jamais, moi, du haut tombe. Et puis, j'ai voulu m'en servir deux, trois fois où les autres, ils sont restés en tournant. Mais moi, je me sauvais, puis même pour manœuvrer. Voilà, c'est ça, ouais. Non, c'est pas, non. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Lacroix, Après combien 20 minutes de coupure.